Bonjour, je m'appelle Martin Autruchy et je suis membre du géant de la FFCAM. Aujourd'hui, je vous explique comment ça se passe pour l'assurage du leader. Donc pour commencer, bien s'assurer que tout le monde a bien mis son baudrier, que le casque est bien ajusté, bien vérifier que l'encordement est correct. On peut assurer un leader dans plusieurs situations, ça peut être en escalade, en alpinisme, ou alors même en randonnée, ou encore en escalade en intérieur. Une fois l'itinéraire choisi, on positionne sa corde au pied de la voie avec un nœud en bout de corde. On vérifie que le grimpeur ait bien fait son nœud d'huit et que l'assureur ait bien mis son système d'assurage. On fait un double check pour vérifier que tout est OK pour pouvoir grimper. Avant le premier point, on effectue une parade pour amortir le grimpeur en cas de chute. Pour l'assurage du leader en tête, on va utiliser la technique 4 temps. On part avec la main bien en bas pour pouvoir donner du mou, 1, ensuite on ramène 2, puis 3 avec la corde un peu loin pour pouvoir donner du mou, et 4, on ramène la main. Et c'est reparti, 1, 2, 3, 4. Pour l'assurage du leader en tête avec un gris-gris, on effectue la même chose qu'avec le reverso, en 4 temps, 1, 2, 3, 4. L'assureur est au service du grimpeur. Quand le grimpeur s'apprête à clipper une dégaine, on fait un pas en avant et on donne du mou. La distance entre l'assureur et la falaise dépend du poids du grimpeur, du tirage et de la hauteur à laquelle il se trouve. Lorsque le grimpeur arrive au relais, on s'assure qu'il soit bien vaché, on donne du mou pour qu'il puisse faire sa manip. Une fois la manip finie, on ravale le mou, puis on amorce une descente. Pour la descente du leader au reverso, on ne lâche jamais la corde du bas, on ramène la main du haut sur la corde du bas, et on laisse filer la corde doucement. L'assureur doit rester concentré toute la descente, surtout sur les derniers mètres, pour finir correctement la descente. Bon voilà, maintenant vous savez comment on assure un leader, donc à bientôt sur un site d'escalade.